tous, c'est MaxiCamFR et on se retrouve aujourd'hui pour le 60e épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013. Et oui, déjà le 60e aujourd'hui, donc on a plutôt bien avancé depuis le début déjà. Donc je vous remercie de me suivre depuis 60 épisodes pour certains. Donc tout simplement, merci à vous. Et sans vous, j'aurais jamais pu le faire. Si vous étiez encore plus, ça aurait été pas plus mal, mais donc c'est déjà bien. Voilà, donc aujourd'hui comme prévu, on va semer du maïs, ce que je suis en train déjà de commencer. Donc j'ai pas pu faire les passages dans les champs de blé, puisque en fait j'ai pu faire que ceux du bord, tout simplement parce que en fait c'est déjà traité, donc j'ai pas de repère. Faudrait que j'utilise le mode GPS, mais je le maîtrise pas trop, donc du coup j'ai pas fait, je le ferai la prochaine fois, une fois que j'aurai récolté ce sera plus simple, parce que là c'est pas possible. Donc là oui, c'est tout ce qu'on va faire, on va semer du maïs. Donc je me suis mis en roue étroite pour pas passer sur les rangs qui vont être semés après. J'aurais pu me mettre en jumelé aussi, mais c'est plus logique en roue étroite. Oui, déjà 60 épisodes, franchement ça passe vite. En même temps, avec un tous les deux jours, c'est un petit peu normal, mais ça passe vite quand même. Quand même 60, ça fait beaucoup, et depuis le début on a quand même bien avancé. Bon, malgré mon j'ai augmenté un petit peu l'argent à un moment, mais sinon on a bien avancé, ça a bien progressé. D'ailleurs je vous ferai un petit épisode de... alors ce sera sur la carrière suivie, mais donc je vous ferai un petit épisode de bonus à part. Je pense qu'après ça prendra son cours dans la carrière suivie, donc ce sera un petit peu spécial. Comme on est au 60e épisode, je vais vous le dire tout de suite. D'ailleurs je vais peut-être bien mettre un ouvrier et on va commencer à le faire, ou je le ferai au 61e, je sais pas. En tout cas, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc je pense créer une ferme à part. Donc ce serait sur deux petits champs. Alors attendez, je vais vous montrer la carte, ce sera plus clair pour vous. Donc ce serait sur le champ 5 et 6. Donc c'est deux petits champs. Le champ 5 fait 1,15 hectare et le champ 6 fait 0,97 hectare. Donc en gros 1 hectare. Et sur ces deux champs, je pense faire une ferme avec du vieux matériel. Et faire des micro-parcelles, donc diviser les champs en 2, en 3, voire 4. Je pense que ce sera un truc sympa, faire ça avec du vieux matériel. Et enfin, faut pas que ça me prenne trop de temps dans la carrière suivie non plus, mais enfin, voilà, ça fera un petit truc sympa. Ça assez sympa à faire, hein. Enfin bon, on verra, je vais essayer de mettre ça en place au fur et à mesure. Bien sûr je ne compterai pas dans l'argent. D'ailleurs je vais mettre un ouvrier, on va commencer à installer. Voilà. Bon, par contre je vais augmenter un petit peu la vitesse. Voilà, ça se met à 24. Donc oui, c'est que j'en ai mis sur les coopératives, donc c'est les balances. J'en ai mis à côté des coopératives. Alors normalement j'avais téléchargé un
petit mode de billard quelque part. Ah non, elle reconnaît pas le mode de. Mais c'est vrai, je l'ai pas testé avant. Mais j'avais un petit mode que j'avais trouvé. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? J'ai plutôt pas mal de choses. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? Ah oui, un épandeur à chaud, ça ce sera pas mal. Je sais pas si je m'en servirai, mais ce sera peut-être pas mal. Que je vais arriver à le retrouver. Je vérifie vraiment partout parce que je sais pas si je l'ai ou pas. Attends, c'est un mode que j'ai téléchargé il y a pas longtemps. Mais oui, j'ai pas vu si je l'avais parce que ça va être dedans. C'est pas grave, je retrouverai un petit mode de. Ouais. Parce que les hangars sont vraiment trop grands. Et en attendant, je vais peut-être acheter donc, un jet tracker. Pense tout simplement commencer par le farmac. De base d'un jeu avec. Pas de base dans le jeu, mais je vais peut-être arriver à en trouver un quand même. Je vais voir mon émote. J'ai justement un spray pris de 3 petits jeux de trucs. J'ai vu un petit vecteur. Voilà, hop. Voilà, donc je vais emmener ça. Ça c'est mon jeune gear. Voilà. Il y a même un phare à l'arrière là-dessus. Le défaut de ce tracteur, je l'ai déjà dit, mais c'est le troisième point à l'arrière. Donc, je vais aller là-bas. Alors là vous voyez une icône, un triangle un petit peu déformé, donc c'est un tas. C'est tout simplement un tas de betteraves que j'ai pas réussi à supprimer. Donc, en fait pour les hangars, je prendrai un. C'est les hangars de base dans le jeu mais en plaçable en fait. Donc c'est sûrement ce que je vais prendre. Pour pouvoir ranger le matériel dedans. Donc ce sera essentiellement, enfin essentiellement, ce sera que du vieux matériel. Alors vieux, ça dépend ce qu'on appelle vieux, mais bon. Par exemple le Ford Doé, donc c'est le Ford avec les 4 roues égales là. Qui est articulé, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Lui je le compte en vieux tracteur, mais par contre je crois que j'ai pas d'exemple dans ma ferme. Si le jeune Deere, lui par contre je le compte pas en vieux tracteur, je le compte en récent. C'est vraiment que les vieux tracteurs. Ça, Farmal, c'est vieux. J'ai 3 modes de Farmal que j'ai trouvé, je les ai pas là, mais
ils sont sortis déjà il y a un petit bout de temps, enfin il y en a un, pas trop parce que c'est un format le 300 il me semble, en mode réalistique. Là, je vais commencer par acheter le premier champ, puis après on va retourner une soirée ici pour finir. Donc voilà, ça va être ces deux champs là, le champ 6 qui fait 0,97. Je vais laisser briller pour l'instant. Je vais vous montrer donc un petit peu les stades de croissance des plantes. Alors le champ 7 c'est du blé, le champ 10 c'est du blé, donc stade de croissance numéro 2 ou 3 je sais pas. Non, ça doit être 2. C'est du colza, même chose. Le 16 c'est des betteraves, même chose. 15 et 20 c'est de l'herbe. Bah, d'ailleurs ça va être bon à toucher, faudrait que je le fasse. Et champ 21, donc c'est le maïs que je suis en train de faire en ce moment. Et champ 17 il y aura aussi du maïs. Voilà. Par contre il met jamais les traceurs cet ouvrier. C'est pourtant plus facile pour se repérer. Là il me semble qu'il y a des sacrés bouts de champ à faire parce que l'ouvrier a un peu de mal avec le soir. Désolé, je suis franchement désolé, il y a eu un petit problème technique. Désolé, en fait je me suis trompé de touche. Je voulais appuyer sur W, en fait j'ai appuyé sur la touche Windows. Donc du coup ça a arrêté la vidéo. Je suis absolument désolé. Ça arrive des fois, des petits problèmes comme ça. Voilà. C'est quand même bien fait ce soir, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, en même temps que le prix de cette course est normal. Puisque donc c'est l'extension de Weberstadt de frappe.
donc mettez un pouce vert, un commentaire, ce serait pas mal, surtout pour le 60e épisode. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, puisque maintenant, au moment où je tourne la vidéo, puisque je la tourne un petit peu en avance, là, d'habitude j'essaye de tourner le moment où je filme. Mais là, bon, j'avais le temps, donc je me suis dit, je vais la tourner un petit peu en avance. Donc, mettez un pouce vert, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait, on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. Allez, salut les amis!